Dans le service, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que ton sang en nous lavant et en nous rétablissant dans le service de l'Église, que nous marchions et que nous soyons étroitement unis à toi. Seigneur, que ton sang fasse des remparts contre tout esprit de fatigue, de remettre à demain, de te servir, de faire le service dans l'Église. Que tous ces esprits soient engloutis dans le sang précieux de Jésus. Seigneur Jésus, nous savions, les Égyptiens, selon ta parole,
C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, tandis que ceux qui ont fui une tentative furent tous engloutis. Seigneur Jésus, que tous ceux qui feront une tentative de bloquer, que les frères et sœurs de LPJC se mettent au service, qu'ils soient tous engloutis dans le sang de Jésus, le sang puissant, le sang glorieux. Seigneur, j'élève ma voix au nom de l'Église LPJC que tu as établie. Tout esprit maléfique satanique qui bloquait ton service, qui bloquait ceux qui voulaient faire ton service et le remettait à plus tard. Que tous ces esprits maléfiques, faibles d'esprit devant ta gloire, nous les anéantissons et nous engloutissons dans le sang de Jésus. Seigneur Jésus, maintenant que ton sang nous mette à ton service, te servir, rien que te servir, et fasse autour de nous des remparts de ton sang, des remparts spirituels. Que toute parole persuasive, séduisante, qui contredit le service dans l'Église, Seigneur, aujourd'hui, dernier jour de notre jeûne, que tous ces esprits contradictoires dans le service soient anéantis et engloutis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'asperge ton sang en cette église locale. Toute personne qui sera touchée par ton sang soit parfaitement purifiée et se mette au service. Par contre, tout esprit négatif qui sera touché par ton sang s'engloutisse. S'engloutisse maintenant et à jamais. Et se taise aussi maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ton sang a délivré tout jeu. Premier-né Jésus, nous mettons aussi ton sang dans les linteaux de porte de cette église, de cet édifice. Tout enfant dont les parents fréquentent LPJC devrait être couvert par le sang, afin que l'ange exterminateur qui poursuive les enfants dont les parents fréquentent LPJC et les enfants du monde entier, qu'ils soient sous la protection divine du sang de Jésus. Seigneur, que la ville de Blois témoigne, que le jeûne qui a été publié dans la ville de Blois en église LPJC, servir dans l'église. Que le Seigneur entre de te manifester, que tous ceux qui bloquaient n'auront plus accès au blocage, que tous ceux qui étaient bloqués retrouvent la délivrance par le sang de Jésus, tous ceux qui étaient malmenés retrouvent la liberté. Seigneur Jésus, ton sang reste maintenant à jamais dans les lettres de porte de nos maisons et celles de l'église. Ton sang, nous l'aspergeons aussi, Seigneur Jésus, dans les remparts de l'église, tout esprit maléfique qui bloquait l'œuvre, qui la contredisait, soit englouti et tombe face contre terre. Seigneur Jésus, lorsque tu as établi l'apôtre Paul, le veillard Ananias a dit, Seigneur, cet homme, il a fait du mal, du tort à ton peuple. Tu as dit, c'est un instrument que je choisis pour annoncer mon nom dans toutes les nations. Seigneur, tous ceux qui sont ici, tu les as choisis, tu les as mis à part afin qu'ils annoncent ton nom dans le monde entier, dans toi et aux alentours. Seigneur, que ton sang les restaure dans le service auquel tu les as mis à part. Que ton sang, Seigneur, aujourd'hui, dernier jour de jeûne, que ton sang les repositionne dans le service. Oui, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta propre parole, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, serons-nous mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur, tu as dit, à combien plus forte raison, maintenant que nous sommes sauvés par lui, serons-nous justifiés de la colère à venir par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous serons justifiés, parce que là, tu as lavé l'Église et tous ceux qui la fréquentent. Maintenant, nous serions à ton service. Tous ceux qui bloquaient sont maintenant nos marchepieds.
Seigneur, merci parce que ton sang y est encore, ton sang coule, afin que tous ceux qui sont en chemin reçoivent la même purification, reçoivent la même grâce que nous avons reçue en ce lieu. Oui, Seigneur, merci. Merci.